J'ai fait un partage, je veux dire. Oui, alors comme je m'embêtais un peu sur cette charrette, j'ai adopté un animal. J'ai dressé, j'ai mis beaucoup de temps à la dresser. Après. J'ai mis beaucoup de temps à la dresser. La mouche est vraiment taquine, il faut vraiment du temps. Sauf qu'un donc je vais l'appeler Suzanne parce que je trouve que ça allait vachement bien avec ses yeux. Et attention, je vous montre. Alors attention, elle est pas commode. Elle est. Là, c'est règle. Plutôt à rabord. Là, c'est règle en ce moment. Oui, enfin là, c'est. Attention, il faut pas trop la montrer parce qu'elle est un peu timide. Hein. Voilà. Et Suzanne dit bonjour. Elle dit bonjour, celle-ci. Attention, on va partir. Faut mettre le gobelet dans ses yeux pour pas qu'elle voie quelque chose. Et je lui donne une cerise pour qu'elle bouffe, mais elle n'en veut pas, c'est plus. Je crois qu'elle préfère les grillettes. C'est une, je sais plus quoi. Et maintenant, les dossiers, tu vois, elle veut plus partir. Hein. Elle fait plus sa peau là. Voilà, ah, là, vous avez de la chance, elle se nettoie les pattes. C'est un truc, moi je trouve qu'elle est très jolie quand elle se nettoie les pattes. Parce qu'elle fait pas ça trop comme les autres mouches. T'as vu, regarde, t'as vu? Je trouve qu'elle a un très joli geste quand elle le fait. Toi, elle a rabat ses ailes parce que elle sait que vous êtes là, ça là, c'est comme les chiens, elle courbe un peu les chiens. Et ah voilà, là, elle est en colère. Non, je l'ai vu, elle commence à être un peu énervée. Donc là, je vais la relâcher, qu'elle aille se promener, et elle devrait revenir. Normalement, si je l'ai bien dressée, elle devrait revenir. Il l'a très mal dressée, elle reviendra pas. Oh, il l'a bien dressée. Comme toutes, elles s'en iront toutes. T'es prêt, Suzanne? Tu reviens, hein? T'oublies pas ce qu'on a dit, hein? Avant que je te relâche, tu vas faire le tour que je t'ai appris tout à l'heure, d'accord? Tu sais, avec le noyau de cerise, tout ça, là, tu fais des trucs. Attention, le coup de l'hélicoptère par Suzanne la mouche. Prêt? Vas-y, Suzanne, vas-y, attention, Suzanne, le coup de l'hélicoptère, Suzanne la mouche. Vas-y, donne-toi, Suzanne! Allez! Elle donne tout! Qu'est-ce que le noyau, tu dis? Mais il compte cette mouche, putain! Elle est trop attachée. Mais barre-toi au moins! Elle ah là, non, c'est normal. Elle est morte. Je pense que c'est la télé, à chaque fois, celle-là. Ah, elle est meilleure en entraînement. Mais arrête de nettoyer les pattes comme ça! Putain, on a compris, on a déjà vu ce tour. Hein. Bon, fini! Donnez-moi le brise. Non, mais juste pour lui montrer. Quand je lui montre, après, elle fait ok. Non, le bégon. Donne-moi le bégon vert. Je suis vraiment pas content, tu sais. Faut que tu la honte. Je vais jamais faire confiance à une mouche. Bon, j'ouvre le gobelet, mais tu restes là, hein. Fais con sur toi, Suzanne. Elle a pissé. T'as vu, elle a pissé. La pipi mouche. Je te jure qu'elle a pissé. Elle fait un pipi. Regarde. Ah merde, elle a. Ou alors elle a bavé. Ah, mais elle boit, regarde, elle boit. Elle boit. Oh, c'est trop mignon. Elle boit. J'ai déjà vu une mouche, elle boit. Fais un zoom. Regarde, elle boit. C'est hallucinant. Non, en fait, je dois tout dire, c'est pas vraiment de l'eau. J'ai mis une goutte de superglue. Oh, la forêt de doux. C'est pour ça qu'elle bougeait pas. Alors là, je crois que j'ai adopté, hein. Avec une petite goutte d'eau, une autre cerise. C'est bien une femelle, hein. Elle a pas mal. Elle a l'air mal en pointe. Hein. Alors que lui, j'ai planté avec les délicatesses. Là, tu l'as pas trop abîmé. À moins que tu lui as abîmé les ailes quand tu l'as attrapé. Mais c'est peut-être ça, hein. Quoi? Je sais pas, en fait, tu vis ça pour ton père? Bah, je sais pas combien il les a payés les siennes parce que c'est des bombes pas pour faire du skate avec. Pour taguer. C'est pas des bombes pour taguer. C'est plus cher. Oui, le tag là qui est arrêté. Je sais pas. Je sais pas. C'est l'étranger, mort.
Oh, comme c'est adorable. On peut un peu d'air. Oh, elle est partie. Oh, oh. Ça pue la boue. C'est insupportable.